Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 109 de ce jeudi 18 juin 2020. La lecture de ce communiqué sera suivie de deux communications. Celle de M. le ministre Mamoudou Talla, ministre de l'Éducation nationale, et de celle de M. le ministre Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat. Ce jeudi 18 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1406 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,53%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 93 cas contacts suivis par nos services, 13 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Touba 4, Rufisque 2, Mbao 1, Guédiouaï 1, Liberté 6 1, Grand Yoff 1, Yerach 1, Camberen 1 et enfin Kaolack 1. 110 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures de santé ce mercredi 17 juin 2020. À ce jour, 5475 cas ont été déclarés positifs, dont 3716 guéris, 76 décédés et donc 1682 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.